président de l'association des commerçants, artisans et professions libérales de Pont-de-Cherui. Et aujourd'hui, on va interviewer Géraldine du Dé à coudre à Pont-de-Cherui, donc rue de la République. Allez, suivez-moi. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Très bien. Donc, malheureusement, vous êtes confiné comme tout le monde? Non, j'ai le droit d'être ouvert. Je fais partie des magasins essentiels. Je fais la réparation de biens, mais comme tout le monde est confiné, tout le monde n'a pas envie de s'habiller, de sortir. Donc d'accord, en tout cas, vous êtes ouvert. Vous pouvez accueillir du public. Tout à fait, oui. Vous pouvez, ils peuvent vous appeler aussi s'ils veulent avoir rendez-vous. Voilà. Donc, vous êtes ouverte. Ouverte. J'ai laissé un message justement pour donner des instructions. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Alors Géraldine, dites-moi un petit peu qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Bon alors moi je suis Géraldine, je suis gérant du Dé à coudre depuis 3 ans. Le Dé à coudre existe depuis 1993 et comme j'étais son salarié, ben, donc j'ai repris l'activité. Donc essentiellement c'est des retouches. D'accord. Donc toutes sortes de retouches, des retouches classiques, donc tout ce qui est ourlet, pantalon, robe, les ourlets de manches, veste, de rideaux, les ourlets complexes, tout ce qui est retouche de robe de mariée, tout changement de fermeture éclair. Et quelques créations fait maison, voilà. Ok, vous pouvez nous montrer un petit peu vos créations? Oui, ben là c'est pour annoncer, mettons, si vous voulez offrir un doudou à un enfant, ben, vous pouvez mettre le prénom de l'enfant, carnet de santé, tout à fait. C'est de la broderie que vous faites? Voilà, donc c'est Made in France. Hein. D'accord. Voilà, c'est vraiment local. Vous faites tout ici, hein? Voilà, oui, tout là. Là aussi, des petits bavoirs. D'accord. Voilà, marqué Paul. Donc c'est de la broderie. Donc on fait de la broderie aussi, des petits doudous, tout simple, voilà, des simples, des doudous. Voilà, les petits doudous pour les petits bébés s'ils ont besoin de se calmer, de se déstresser. Voilà, et il n'y a rien de tout bien fixé solidement, il n'y a pas de yeux seulement pour ne pas empêcher, pour éviter c'est aux normes CE, aux normes communauté française au niveau sécurité pour les bébés. Voilà. Très bien. Bon, après des petits habillés, quelques petites créations comme ça aussi, tout ça fait maison. Voilà. Bon, bah, super. Géraldine, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Bah, et réparation. Ah, bon, voilà, les réparations, vous avez un jean abîmé, des trous abîmés, je répare, on fait durer le vêtement dans le long terme. Voilà. D'accord, réparation de jean, veste, de tout. Ouais, tout. Et en général, vous le travail, il peut être livré en combien de temps? Ah bon, il faut une semaine de délai comme minimum, comme je suis toute seule, je travaille tranquillement, et donc il faut bien une semaine de délai. D'accord. Voilà. Donc le Dé à coudre, c'est un magasin de couture. Voilà, tout à fait. Hein, pour tout ce qui est doudou, retouche et bricolage sur tout textile en fait. Tout à fait. Et par contre, vu les circonstances de ce moment, je ne peux plus faire d'urgence. On ne peut pas me donner un ourlet pour faire le lendemain. Moi, par sécurité, je ne touche pas aux vêtements pendant 3 jours. D'accord. Pour être sûr de me protéger, parce que moi, je ne peux pas travailler avec un masque, sinon c'est une catastrophe. Bon, donc je me protège comme ça. Bon, donc, pour l'instant, ça vient de marcher. Pour des raisons de crise sanitaire et d'hygiène, de sécurité hygiénique. Donc voilà, vous prévoyez un délai de 3 jours minimum. Voilà. Donc c'est un client par dans le magasin, donc je ferme la porte exprès pour limiter le nombre de clients dans le magasin et qu'ils aient tout un masque. Je vois très bien que vous avez ici le gel pour les clients. Vous avez même la possibilité de fabriquer des masques, non? Oui, je fais des masques, mais le problème, c'est que ce n'est pas la norme catégorie 1. Oui, c'est ça. Voilà, mais moi, pour l'instant, j'ai toujours mis ces masques-là et je suis toujours vivante. Hein. Bon, super. Voilà. Très bien. Je vais me serrer un petit peu. Allez-y. Et puis, je vous remercie, Géraldine, le Dé à coudre à Pont-de-Cherui. Ouais. Et merci et à très bientôt.